C'est pas évident de mesurer <laughs> l'acidité d'une solution. Parce que Kaline, ça peut passer de 0,0000000000001 mol par litre, puis ça peut être moins que ça de concentration de H3 ou de H, à 0,1 mol par litre. Puis ça peut même monter à 1 mol par litre. Dans le cas de l'acide sulfurique concentré à 1 mol par litre, là, vous mettez de l'acide sulfurique dans de l'eau, ça va générer un acide à plus de 1 mol par litre. C'est violent, c'est violent, ça n'a pas de sens. Puis il y a certains super acides comme l'acide antimonique qui, lui, va avoir une acidité encore pire que ça. Mais généralement, les solutions vont avoir une concentration d'H3O plus de 0,00000000000000001 ,00000, ,00000, ,00000, ,00000, à 0,1. Mais vous voyez le bug en français, ça devient un petit peu fatigant de dire 0 0 Tu as dit combien de zéros déjà Ah, là c'est beaucoup plus facile. On dit combien il y a de zéros ah, Regarde, après la virgule, il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0. Oh, c'est pas très acide ça par rapport à 0,1, il y a aucun zéro après la virgule. Oh, c'est très acide. Là ça parle. Fait que comme c'est une échelle qui est immensément grande, ça prenait une échelle logarithmique. Puis ça, en d'autres mots, c'est juste compter le nombre de zéros. Ici, si on compte le nombre de zéros, ou encore mieux que ça, on compte le nombre de fois qu'il faut déplacer la virgule pour aller de l'autre côté du 1. Je vais changer mon curseur, option du pointeur style. Donc j'y vais avec style à partir de maintenant. Fait il faut que je déplace une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois, neuf fois, dix fois, onze, douze. 13 fois ma virgule pour que ça se déplace derrière le 1. Donc, si on présentait ça en notation scientifique, ça donnerait 10 à la moins 13 mol par litre. C'est pas mal plus facile. Puis ici, il faut juste déplacer de la virgule une seule fois, donc c'est 10 à la moins 1 mol par litre. Donc, le 13 que j'avais ici, j'ai déplacé ma virgule 13 fois pour aller là, bien, je l'écris ici. Ici, je l'ai déplacé une fois ma virgule, bien, je l'écris ici. Donc, ça, c'est ma concentration de H3O. Donc, on pourrait se dire beaucoup plus facilement, bon, j'ai 10 à la moins 13 mol par litre h 3 o Ouais, mais 10 à la, c'est déjà long. On pourrait juste dire 13 ou 1, n'est-ce pas? Ben c'est ça le pH. Une échelle logarithmique, c'est présenter quel est l'exposant qu'on a mis. Puis là, dans le cas du P, c'est le fun, on enlève le moins, histoire d'être vraiment paresseux. Fait que votre pH, ben, maintenant, on sait que c'est plus des, juste des H+, on devrait dire ph 3 plus. Mais mettons qu'on se dit encore pH, là. Fait que le pH peut aller de 13 à 1, puis il peut même aller à 0 ou à moins 1, puis il peut même aller à 14, mais habituellement, le pH va entre 13 à 1. Fait que c'est vraiment commode. Si je vous dis qu'on a une solution à un pH 7, bien c'est qu'on a déplacé la virgule 7 fois pour aller vers le 1. Fait que mettons que je mets mon 1 ici, je fais 1, 2, 3, je mets ma virgule là, je fais un 0 ici. Finalement, c'est évident y aller avec un stylet, ce n'est pas nécessairement stylé. Il me semble que j'ai mal aux yeux juste à voir ça. Donc, c'est ça. Un pH de 7, vous avez donc 0,00001 mol par litre de H+. Fait que comme on doit déplacer la virgule de 7... Et voilà, vous avez un pH de 7, ça donne 0.0000001 mol bon, par c'est Pas mal plus facile de dire j'ai un pH de 7. Puis traditionnellement, on continue à dire pH au lieu de dire pH3 au plus, même si on sait que maintenant c'est plus une échelle logarithmique de H+ mais plutôt une échelle logarithmique de H3 au plus comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit pH, ça va de 13 à 1. Ça peut être plus que ça, ça peut être moins que ça. Il y a une façon d'aller pas mal plus rapidement que juste calculer. Il y a combien de déplacements de virgule? Le truc, c'est de faire moins log de la concentration de H3O. Log, c'est trouver l'exposant qu'il faut mettre à 10 pour avoir une concentration X ou Y. Essayons-le sur la calculatrice. Mettons justement qu'on a une concentration de 0,001 mol par litre. C'est assez acide. Là. Ça commence à en faire pas mal de H3O. Comme ceci par litre. Donc, ça, c'est notre concentration. Si je vais avoir mon pH, bien, il faudrait que je tasse ma virgule de 1, 2, 3. Donc, je le sais, mon pH, c'est 3. Mais ce qu'on peut faire avec la calculatrice, c'est qu'on va aller chercher le moins qui est ici. Donc, ce n'est pas l'opération soustraction. Pour ma calculatrice, à moi, c'est plus ou moins. Donc, on fait juste dire à notre calculatrice que notre signe est négatif et non pas faire une soustraction. Une fois ça fait, je rentre. Je rentre log ici, donc j'ai fait mon moins. Ensuite, je rentre mon log dans ma calculatrice. Je où est mon log? Il est ici. Fait que je rentre log. Ensuite, je rentre ma concentration de h 3 plus Je fais 0,001 est égal à pH de 3. Je l'ai eu. Fait que ça fonctionne. Fait que avec cette opération-là sur votre calculatrice, vous êtes capable de retrouver le pH de quelque chose d'hyper complexe. Fait que si j'ai, par exemple... Euh, Moins log de... Puis là, j'ai une concentration de 0,000002573282. Enter! Ben, J'avais un pH de 5,6. C'est pas mal plus facile de communiquer en scientifique. Hey, le bonhomme est rendu à un pH de 5,6. Ça va pas bien. Que dire? Oh, la concentration à h 3 plus c'est de 0,0000536... Oh, Ça va être épouvantable. Donc, vous êtes capable maintenant de convertir une concentration de H3O+, en pH. C'est pour ça d'ailleurs que tantôt, je vous disais qu'à partir de la concentration de H+, on allait être capable de retrouver c'est quoi le pH de votre solution. À partir du cas on est capable de déduire donc ça va être quoi le pH avec... L'opération mathématique qu'on a ici, pH est égal à moins log de la concentration de H3O. On peut faire aussi l'opération inverse. Si je vous donne plutôt le pH, puis je vous demande à l'examen quelle est la concentration de H3O, ben, tantôt c'était quel est l'exposant qu'il faut mettre à 10 pour que ça donne Un log. Mais ben là, ça va être l'inverse. On va le mettre tout de suite à 10. Donc si vous avez un pH de, de, de 7, par exemple, on va dire 10. Ça, vous savez comment rentrer 10. Je ne devrais pas le montrer là. À la... Dans mon cas, moi, c'est Y à la X sur ma calculatrice. Euh, mais il y en a par contre que c'est un petit chapeau, un accent circonflexe. Fait que Y à la X, je le rentre. D'ailleurs, ma calculatrice va rentrer accent circonflexe. Donc ça veut dire 10 à la quelque chose. Et là, on disait un pH de 7. Fait qu'on rentre. Il ne faut pas que j'oublie mon moins qui est ici. Fait que je vais rentrer mon moins. Pas une soustraction. C'est juste indiquer que mon chiffre est négatif. Donc je ne rentre pas mon moins de soustraction. Je rentre mon moins négatif. Et là, je rentre mon 7. Donc, si j'ai un pH de 7, quelle est la concentration à H3O+, je fais 10 à la moins 7, ça me donne 0,000001. 000 et voilà. Fait que avec ça, je suis capable de retrouver le pH si j'ai ma concentration de H3O+, et je suis capable de retrouver ma concentration de h 3 lorsque j'ai le pH l'un est l'opération inverse de l'autre. Donc, on est capable de passer de concentration de H3O+, à un pH et vice-versa. Pour les bases maintenant, c'est la même chose. Vous pourriez, par exemple, avoir une base très basique, vraiment dangereuse. Fait que là, vous avez mis du NaOH dans de l'eau. Avez... Puis là, vous mesurez la concentration, ça vous donne une concentration de 0,1 mol par litre. C'est beaucoup de OH-. Fait que quand vous plongez votre main là-dedans, la probabilité que vous rencontrez des OH- qui attaquent votre main est très élevée. Retirez votre main, lavez-la sous l'eau rapidement. Faites pas ça. Fait que là, si on veut retrouver c'est quoi son, son équivalent pH, mais dans le fond, on transforme ça en notation scientifique, comme ce qu'on avait fait ici. On a transformé notre 0,0000 en notation scientifique. Et il fallait tasser notre virgule 13 fois. Ici, il faut tasser notre virgule seulement de une fois. Et ça nous donne 10 à la moyenne. D'ailleurs, lorsqu'on a une concentration de 0,1 mol par litre de OH-, c'est super basique le pH est à 13. Ce n'est pas pour rien que j'avais pris ces chiffres-là. Une fois qu'on a un 10 à la moyenne, on peut retrouver, c'est quoi le POH C'est l'inverse du pH. Quand vous avez un pH de 1, de 2, de 3, c'est super acide. Mais quand vous avez un POH de 1, de 2, de 3, c'est super basique. Ne mettez pas votre main là-dedans. C'est quoi le POH de ça ben, C'est 1, justement. C'est retrouver ici l'exposant qui est là. On le met ici. Ça se communique beaucoup plus rapidement. Au lieu de dire... « Oh, j'ai une concentration OH de 0,0001345. » Ben non, mon pOH est de, je sais pas moi, 3. Puis là, ça va beaucoup plus rapidement se communiquer. Puis d'ailleurs, on fait ça hein, pour à peu près n'importe quelle échelle qui part des concentrations immensément faibles à super grandes. Euh, l'échelle de Richter ou l'échelle de décibels aussi. À chaque fois qu'on monte de 1, c'est 10 fois plus élevé dans ces échelles-là. Ben, c'est la même chose pour l'acidité d'une solution. Un pH de 6 ou un pH de 7, la différence est immense parce qu'il y en a 10 fois plus de H dans une concentration d'un pH de 6. Fait que quand vous tombez à un pH de 5, c'est 10 fois plus. Un pH de 4, c'est 10 fois plus. C'est énorme. C'est la même chose pour les décibels, c'est la même chose pour l'échelle les, les, de, des tremblements de terre, l'échelle de Richter. Fait que quand vous progressez dans l'échelle, un tremblement de terre de 4, ok, tremblement de terre de 5, c'est pas juste un différence, c'est x10. À chaque fois que vous passez de 1 dans une échelle logarithmique, c'est 10 fois plus intense. Ben c'est le cas du pH et c'est le cas du POH ici. Mais l'un est l'inverse de l'autre. Si vous avez un pH élevé, ben vous allez avoir un pOH faible. Puis si vous avez un pH très bas, ben vous allez avoir un, PO, un POH très élevé. Hein? Parce que l'un va être l'opposé de l'autre. Si vous avez plein de H, ils vont aller manger vos H- il va rester juste des H. Puis si vous avez tout plein de OH-, ils vont aller neutraliser toutes les H. Puis il va rester juste des OH-. Fait que ça change assez vite. Fait que les opérations mathématiques vont être équivalentes. Si vous avez une concentration de OH-, vous faites moins log de OH- et vous allez retrouver votre POH. Puis si, au contraire, vous avez votre POH, vous pouvez faire 10 à la moins POH et vous allez retrouver votre concentration de OH-. Fait que comme ça, vous êtes capable de passer de pOH à OH et vous êtes capable de passer de pH à H3O+ comme ceci et vice versa. Fait que vous pouvez passer de H3O+ à pH ou de OH- à pOH. Reste maintenant à trouver une formule qui permet de passer de l'un à l'autre. Ben, je vous laisse la deviner. Lorsque mon pH est de 1, mon pOH est de 13. Lorsque mon pH est de 2, mon pOH est de 12. Lorsque mon... Ok, j'arrête là. Bah, tiens, j'en fais un dernier. Le, quand le pH est de 10, le pOH est de 4. Ben, l'un plus l'autre donne toujours 14, tout simplement. Parce qu'à l'équilibre, à une solution de neutre, un pH 7, c'est oh, ben pH 7, justement. Fait que <laughs> neutre, je viens de le dire. Quand on est à un pH de 7, c'est neutre. Il y a autant de H que de OH-. si le pH est de 7, le POH est de 7. Donc 7 plus 7, 14. Fait que, pH plus pOH donne toujours 14. Justement parce que lorsque l'eau est neutre, le, il y a une concentration de 0,0000. 000, bref, faut tasser la virgule. 7 fois, il y a un pH de 7 et comme il y a autant de H+ que de OH-, elle est neutre. Il y a un pOH de 7. Tout ça, c'est basé sur la molécule d'eau. C'est parce qu'on est sur la planète Terre qu'on parle de pH comme ça. Fait que regardez ça. Avec ces équations-là, on peut donc convertir un pH en pOH ou un pOH en pH. Comme par exemple, si je vous donne un pOH de 2, le pH, ça va être 12 parce que 2 plus 12, ça donne 14. Une fois que vous avez votre pH, vous pouvez trouver votre concentration d'H3O, avec cette formule-là. Si vous avez plutôt la concentration d'H, vous êtes capable, avec cette formule-là, de retrouver votre pH. Une fois que vous avez votre pH, vous êtes capable de retrouver votre POH. Une fois que vous avez votre POH, vous utilisez cette formule-là pour retrouver votre concentration en OH-. Une fois que vous avez votre concentration en OH- et que vous avez vraiment beaucoup de plaisir à aller chercher en chimie, vous pouvez utiliser cette équation-là pour retrouver c'est quoi votre concentration de OH. Bref, vous pouvez vous promener comme ça dans toutes ces équations-là et retrouver H3O, pH, POH et OH- et interchanger comme ça ces valeurs-là. Je vous avais fait une échelle comme ça pour vous donner une idée des pH qu'on peut rencontrer comme ça dans la nature. Fait que notre sang est pas mal neutre, il est pas loin d'un pH 7. Euh, la, le jus de tomate, lui, est pas loin d'un pH 5. Le citron est pas loin d'un pH 2. L'estomac, pas loin d'un pH 1. L'ammoniac qui est généré justement quand on consomme nos protéines, a un pH de 12 et la lessive d'un pH de 13. Fait que ça varie pas mal, mais vous êtes capable de trouver dans la nature donc des pH super grands ou super faible. Les concentrations d'H3, donc varient énormément.